Allez, mais il ne suffit pas de le dire, il faut vraiment y aller. En ce début de match, c'est Amiens qui se crée les occasions et qui ouvre la marque à la 17e minute sur une tête piquée d'Ahmed Diallo. Pour répondre à ce 16e but inscrit par l'international ivoirien cette saison, les Verts ont un joker, il s'agit de Cyril Pouget. Il profite d'un ballon mal négocié par la défense amiénoise. L'ancien Marseillais inscrit son premier but en deuxième division juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Saint-Etienne va enfoncer le clou sur une ouverture de Patrice Carteron. Alex Dirocco donne la victoire aux Stéphanois. L'attaquant, déjà buteur lors de la dernière journée face à Créteil, au micro de Pierre Corbasson. Notre force aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas paniqué. Sur le terrain, j'avais l'impression qu'on était confiant, on était serein. Donc on a eu la chance de marquer aussi juste avant la mi-temps, ce qui nous a fait du bien. Et à partir de là, on a beaucoup plus géré la partie. Et je crois que ce soir, on a fait un bon match, un de nos meilleurs matchs à domicile.